Bon week-end, Annie. Excellent. Pierre Bénichou, très élégant. Vous trouvez ? Ah, il y avait des obsèques aujourd'hui ? Ah, mais si vous croyez qu'il faut que je m'habille en clown comme vous pour avoir du succès, vous vous trompez. La vox populi. Je ne vous ai pas demandé, mais j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle coupe. C'est vrai ? Oui, ah, ça, il y a une sorte de mini-vague. Oui, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Qu'est-ce c'est qui s'est passé ? Je ne sais pas, j'ai perdu des cheveux. Ils font les mêmes pour hommes ou comme coupe ou pas ? Oui. Il est temps de passer à la photo du jour. Ah, c'est celle de la journaliste Christine Claire, grand reporter de guerre en Corse, qui avait, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, garé sa voiture sous un arbre dans lequel il y avait un nid d'autonomistes qui lui ont chié dessus. On voit sur le pare-brise. C'est la première fois qu'un article de Christine Claire obtient autant d'impact. Ça me paraît important que les Corses qui ne sont pas d'accord avec ces méthodes-là le disent. Or, je trouve qu'il y a beaucoup de silence autour de tout ça. T'es marrante, toi. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles les Corses ne parlent pas, tu vois. Et tu vois sur le pare-brise, là, tu le vois bien. Les raisons pour lesquelles justement, il faut se battre contre ça, il faut que ceux qui ne sont pas d'accord le disent. Enfin, c'est facile à dire d'ici, quoi. Sûrement. Autre photo prise ce week-end à Paris au Jardin du Luxembourg. Regardez, ça y est, au Jardin du Luxembourg, le théâtre de Guignol est de retour. Avec José Bové et les journalistes présents à la manifestation ont été pris à partie, paraît-il, par les manifestants, les altermondialistes, qui criaient « médias partout », je cite, « médias partout, info nulle part ». Et certains journalistes se sont même fait asperger de peinture au pistolet. Eh bien, c'est bien fait. Quand Bové aura bien craché sur tous les médias, ils arrêteront peut-être de lui faire une pipe. Oh. Péry Cochin, vous êtes altermondialiste ? Franchement, sur le fond, je ne suis pas contre les idées qu'il véhicule, mais sur la forme, moi, je ne suis pas du tout pour. Mais bon, après... J'ai rien compris, là. À mon avis, elle n'a pas compris la question. Si sur le fond, les idées, je suis d'accord avec certaines de leurs idées, mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont il se manifeste. Voilà, exactement. Elle pense qu'il faut réguler le capitalisme sauvage, mais sans violence. Voilà, c'est clair, c'est clair. Merci, Pierre. Petit test. On va voir si vous avez bossé ce week-end. Petit test, il y avait quoi d'écrit sur la banderole? Le monde n'est pas une marchandise. Bravo, Gidoin et Lemoine. Le monde n'est pas une marchandise. Autre photo, celle des journées de la jeunesse de l'UMP, qui, ça ne s'invente pas pour les journées de la jeunesse, avait invité Giscard. Et regardez sur cette photo, on se demande ce que fait l'ex-président. Soit il montre la taille du climatiseur qu'il avait acheté pour survivre à la canicule, soit il explique qu'il a perdu son accordéon, soit il appelle Nicolas Sarkozy, c'est sa taille, à monter à la tribune. Le téléspectateur qui trouvera la réponse à ce grand jeu concours gagne 8 jours avec Alain Juppé. Non, mais ce qui va être formidable, c'est qu'ils étaient tous habillés, c'est le parti de la droite quand même, ils étaient tous habillés en faucon rouge, qui étaient les jeunesses communistes avant, c'est-à-dire foulard rouge autour du cou. On voyait Juppé avec ce foulard rouge, c'est inouï quand même. Ils vont pas piquer le rouge à la gauche, déjà ils ont piqué Jeanne d'Arc, l'extrême droite a piqué Jeanne d'Arc à la République, maintenant ils veulent piquer le faucon rouge. Vous avez raison, ils étaient en chemise débraillée, genre été. Oui, il y a genre débraillée. Il y a même Balladur, c'est écrit dans Libération, qui une fois rentré dans l'automobile de fonction, a dit à ses secrétaires, est-ce que vous croyez que maintenant je peux remettre ma cravate? Ça, c'est quand même énorme. Ça, je le comprends très bien. Parlons d'Alain Juppé, justement, qui, à quelques jours de son procès, avait l'air soucieux ce week-end. Il faut dire qu'il avait toutes les raisons, le président de l'UMP, puisque, regardez cette photo, Nicolas Sarkozy n'a pas attendu son procès pour venir l'arrêter. –
On va rester dans les casseroles avec celle que le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, M. Renaud Dutreil, a tenu à célébrer ce week-end la célèbre Cocotte Minute qui fête ses 50 ans. La Cocotte Minute, c'est un peu comme la rentrée sociale. Ça chauffe, et si vous n'ouvrez pas un peu le couvercle, ça peut vous péter à la gueule. M. Dutreil va sûrement d'ailleurs se faire engueuler par Jean-Pierre Raffarin, puisque suite à la mauvaise gestion des conséquences de la canicule, le Premier ministre avait interdit qu'on se montre à la télévision avec un autocuiseur. On va quitter la politique un instant pour les 50 ans de la cocotte minute, parce que moi je sais pas à quoi ça sert une cocotte minute. Qu'est-ce qu'on cuit dans une cocotte minute? Bah, des pommes. Mais tout. Alors c'est pas vous qui allez me répondre, Perry. Demandez à ces ménagères. Mais bien sûr que oui, tu cuis tout, aussi bien un rôti qu'un gigot, que des pommes de terre, un gigot, que des légumes. Cocotte minute. Bah, t'es mais folle, bien quoi. Sûr que oui. Oh là là, allez renvoyer de la maison. Mais bien sûr que oui, des petits gigots. Mais t'es pas obligé de le faire au four, le gigot. Tu peux faire plein de choses dans une cocotte minute. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir comme une cocotte traditionnelle. Exactement, sauf qu'elle cuit plus vite avec moi. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ces nouvelles cocottes minutes sont faites par un type qui s'appelle Mark Newson, qui est un des grands designers de la cocotte minute. Mais non, de l'époque, de notre époque, et qui s'est penché sur des cocottes minutes. Quand la foulette seconde parle de la cocotte minute, je trouve ça formidable. On peut revenir à la politique ? Tabou à l'intérieur. La politique avec Jean-Marie Le Pen en campagne électorale dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et M. Le Pen n'a pas hésité à accuser, je le cite, les gouvernants français d'être responsables de la catastrophe sanitaire du mois d'août et de sans doute 15 000 morts, a-t-il dit. Lui, il montre le chiffre jusqu'à 15 000. Comme quoi, selon les années, Le Pen compte plus vite les victimes de l'énergie solaire que celles liées au gaz. On va s'aérer avec la grande braderie de Lille et une photo qui prouve, regardez, que cette année encore, Pierre Mauroy a bien terminé son assiette. Combien, je crois ? 400 tonnes de moules. 400 tonnes de moules qui ont été quand même... Ça laisse rêveur. Non, enfin ça... vraiment ça, j'y dois. C'est pas... Ça me parle c'est... pas, moi, c'est quoi le poids moyen d'une moule ? Le point moyen d'une moule Bah, je sais pas, sur une balance, quoi. Tu m'as vu. Perry, enfin. Je vous en prie. Bon, je crois que je me mets au niveau, hein, je suis désolé. 400 tonnes de moules, 800 tonnes de frites. C'est pas rien, ça, quand même. 800 tonnes de frites, ça fait au moins pour 3 personnes, ça, monsieur. Entre photo. Celle de Karl Lagerfeld qui doit fêter son anniversaire mercredi prochain. Et si le Parisien nous en parle ce matin, c'est parce qu'on ne sait pas son âge. Il y a toute une polémique. Soit il prend 65 ans, soit il en prend 70 parce qu'il tricherait. Alors s'il négocie son âge aussi bien que ses impôts, il a peut-être même 90 ans et c'est Strauss-Kahn qui lui a fait ses papiers. À votre avis, 65 ou 70 alors ? Oh, plus allez, que 70. On va dire que c'est entre 65 et 70 ans. Il a un éventail d'âge, Karl Lagerfeld. On termine par la finale de l'US Open à Flushing Meadows avec chez les hommes, vous le savez, la victoire de Roddick sur Ferrero. Ouais, mais on va. Dit que Ferrero aurait mal digéré la nomination de Charles Millon comme ambassadeur. Tandis que chez les femmes, c'est la Wallonne Justine Hénin qui a gagné contre la Flamande Kim Clijsters. Mais c'est normal, c'est bien connu. Les Flamands, il paraît qu'ils jouent que sur une jambe. C'est con. Vous savez qu'on a un Français qui a gagné l'US Open. Oui, le junior. Un junior. Bien sûr. On est bon junior, quoi. Mais c'est peut-être les entraînements après qui pêchent. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'il manque un père qui droguerait l'adversaire. Depuis ce week-end et jusqu'au 19 octobre, à la fête à Meneux, vous pouvez vous rendre à l'exposition Étranges créatures de l'univers. Ils sont là, sur le plateau, ces étranges créatures. C'est une exposition qui reconstitue de nombreux décors et réunit tous les personnages des films fantastiques américains que vous avez certainement vus et revus. Alien, Predator, Dark Vador, Yoda, Star Trek, Roosevelt, Stevie, Pierre Bénichoux, ils y sont tous. Pour tester ensemble cette exposition Étrange créature de l'univers, accueillons tout de suite des collectionneurs fous, propriétaires de toutes ces pièces de l'expo. Voici Ludwig et Mario Trabert.
C'est drôle parce que vous-même, vous avez des noms qui pourraient être issus d'un film de science-fiction. Ludwig Traber. Ah, nous ne sommes pas du pays, ça, c'est pour ça. Mais Ludwig, c'est Louis. Hein. Oui, un grand français. Vous êtes allemands tous les deux. Oui. Voilà. Et vous avez commencé votre exposition et votre collection en Allemagne. D'abord, il faut dire que dans le temps-là, quand j'ai commencé, c'était, on ne se trouverait pas ça en Allemagne. Alors, ça vient plutôt de l'Amérique. Ça, évidemment. Ah. Justement, c'était ma question suivante. Comment on fait quand on est en Allemagne pour racheter aux différentes majors qui produisent ces films américains des objets comme cela, qui sont des objets authentiques? C'est-à-dire que ce sont des originaux qu'on a là. Il y a des originaux, et naturellement aussi, Mario, explique que là, par exemple, avec ta tête là. Oui, ici, par exemple, cette tête ici, elle est Alien. Du Alien 3, elle est spécialement en fait pour les promotions, ça veut dire qu'on peut la toucher comme le monsieur le fait maintenant parce que... On peut la porter aussi. Voilà, et pour la porter. On peut la mettre sur la tête celle-là? Oui. Ah ben c'est Arnaud, Arnaud, voir. Entre-nous. Oh. Ah. Ah. Ça coûte, par exemple, là, c'est qui celui qu'on voit là-bas? C'est un Stormtrooper. Je suis obligé de poser des questions idiotes parce que, autant vous dire, je n'ai jamais vu aucun de tous ces films de science-fiction. J'ai honte, mais... Heureusement. Star Wars, Star Trek, tout ça. Ben ça, c'est les soldats de la garde de Dark Vador. Le premier et dernier film de science-fiction que j'ai vu, c'est Alice au Pays des Merveilles. Ça veut dire ça. Non, mais vraiment. Dark Vador. Non, il est là, Dark Vador. Il est là. Ça, c'est Dark Vador. Ça, c'est Dark Vador. Ça, c'est un Stormtrooper, c'est un soldat. Ah, vous y connaissez, vous, alors? Ah, moi, j'aime bien... Faites-moi le guide de l'expo, alors. Allez-y, là, on a Dark Vador, le père de Luke Skywalker et de la princesse Leia. Je suis ton père. Bon, ça, c'est le petit de Jacques Pradel. C'est mon fils, alors t'es gentil, tu touches pas. Hein. Il a les yeux de Jacques Pradel, c'est son papa. Ça, c'est le mien, c'est le mien. Ça, c'est l'extraterrestre de Roosevelt. Ils te reconnaissent. Mais c'est des vrais ou pas? Alors ça, c'est... Ah, pardon, non, je me suis trompé. Donc ça, c'est un Stormtrooper. Là, il y a Spider-Man, Batman... Vous avez oublié, alors là, franchement... Yoda. Non, vous avez oublié, Arnaud, parce qu'il y a un monsieur dans le public qui, depuis tout à l'heure, se dit « Pourvu qu'il ne m'emmène pas avec les statues à la fin de l'émission, il y a Superman, il y a Superman. » Ah, puis là, il y a Yoda. Ça, c'est génial. Vous êtes en train de dire allez-y, que monsieur Ludwig. Nous avons... Très, très bien. Et beaucoup de spectateurs qui nous rendent visite à notre exposition, surtout les enfants, amènent leurs grands-pères et les grands-mères à l'entrée pour leur montrer ce qu'ils savent. Mais je veux dire quand même, ça fait une petite école. Ça fait commencer à penser un peu fantastique. La grande différence, c'est que tous, pour moi, vous êtes des brocanteurs, parce que ça n'existe plus, ces personnages-là. Maintenant, c'est sur écran et c'est en 3D. Donc c'est fini, quoi. Vous ah, ça, c'est vrai. On crée des maquettes, ce qu'on a là sur le plateau. Maintenant, tout est fait de façon virtuelle sur ordinateur, donc vous ne pouvez plus rien collectionner. Ça devient très, très rare. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. C'est un peu comme Mona Hayoub. Quand la haute couture s'arrêtera, et ben elle aura une magnifique collection qu'elle pourra nous présenter. Reprenons au début, qui est Mona Hayoub? Sa femme de ménage. Alors. Gigi. Mais c'est vous. Ces trucs-là, vous les gardez où? Parce que vous ne faites pas exposition sur exposition sur exposition sur exposition. Vous avez ça chez vous, dans votre salon, dans vos... Aux toilettes. Vous vivez avec ça. Aux toilettes. Aux toilettes, dans la cuisine. Tu vois, je me lève la nuit, t'allumes la lumière. C'est dans les chiottes. C'est dans les chiottes, ils passent de la fête à Neneu à la foire du trône. Expliquez-moi l'extraterrestre de Roosevelt, là. Alors, ça, c'est une vaste fumisterie. Oui. On a eu ces aliens, on ne savait pas ce que c'est, on l'a pris parce que c'est une bébé fantastique, quoi. Mais il y a 3 ans maintenant, on a eu de l'information par un agent qui est venu dans notre exposition et on a ramené des informations que c'était pris par les Russes. C'était une ovni qui était descendue dans le partois de Sibir et c'était vraiment un alien bébé qui était là-dedans. Et après, c'est Giscard, là, c'est Giscard. C'est Giscard aux universités de la jeunesse de l'UMP, ça. Je le reconnais. Ça intéressera en tout cas tous les enfants qui voudront bien aller à la fête à Neneu. C'est exposé là-bas jusqu'au 19 octobre. En plus, on peut se marrer à la fête à Neneu. Ça prouve déjà que tout est faux dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce que la fête à Neneu, c'était à Neuilly. Neneu, c'était Neuilly. Ah bon? Alors. Ouais. Mais ils savent rien, c'est normal. Alors, c'est fou. Ça, je savais pas. Non, Neneu, ça vient de Neuilly. Et Sarkozy est le maire de Neneu. Oui, bien sûr. C'est ça que vous êtes en train de dire, Pierre Bénichou. Il a raison. Bon, en tout cas, c'est à la fête à Neneu. Et c'est jusqu'au 19 octobre, vous pourrez non seulement faire des manèges, parce que c'est surtout ça qui est rigolo à la fête à Neneu, mais vos enfants pourront apprécier tous ces personnages qu'on a exposés sur ce plateau ici ce soir. Merci de nous les avoir amenés. Merci beaucoup. Certains...
certains grands hôtels français, c'est nouveau, ont décidé de proposer des services spéciaux pour les animaux de compagnie de leurs clients. En effet, attention les yeux, c'est pas de la gnognotte, demandez le programme. Un célèbre palace à Versailles, par exemple, a proposé aux animaux de ses clients un accueil VIP, room service, 24 heures sur 24, parcours de santé pour dégourdir les papates du toutou, piscine, golf, tennis, non là j'exagère un peu, le top. Non mais c'est vraiment au programme. Il y a un forfait spécial qui coûte quand même assez cher, 365 euros. À ce prix-là, le chien ne va pas forcément rester longtemps le meilleur ami de l'homme. Mais Péricochin, vous, vous avez testé ce service VIP pour animaux. Regardons cette caméra cachée par Marcel Bélanger. Bonjour Péricochin, j'ai testé les animaux de compagnie à l'hôtel. Aglaé ! Viens là, qu'elle est mignonne, hein, qu'elle est belle ma chérie. Allons-y. Tu viens, ma petite Aglaé? Voilà, allons-y. C'est gentil. Oh, c'est frais, hein, ma petite Aglaé. Allez, on y va. Venez. J'avais une réservation. À quel nom, madame? Marie de Marquet. Doucement, doucement, doucement. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de sortir de l'établissement avec cet animal? Ah bon, pourquoi? J'avais une réservation chez vous pour ce soir. Je vous prie de m'excuser, madame, mais malheureusement, nous ne pouvons pas recevoir cet animal. Bon, attendez, je comprends pas. Vous recevez ou pas les animaux? J'ai une réservation chez vous. Les animaux? Oui. Ce sont les chiens, les chats, mais pas les autruches, madame. Madame est avec une autruche à l'extérieur. Elle est avec? Une autruche. Une autruche? Oui. Animal. Oui. En fait, il y a une réservation établie à son nom et vous voulez avoir son animal donc en chambre. Non, mais ça va pas être possible. Mais en attendant, est-ce qu'on peut faire entrer Aglaé? Non. Là, on peut vraiment pas. On n'accepte pas les animaux à l'hôtel. Bonjour, madame. Directeur de sécurité de l'hôtel. Oui. Formidable. Oui. Quel est votre problème, monsieur? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faisiez avec l'autruche devant l'hôtel? Eh bien, nous avions une réservation chez vous et on pensait venir passer trois nuits chez vous à l'hôtel. Avec une autruche? C'est pas la première fois. Au nous avons l'habitude. Mais peut-être, mais pas chez nous. Autruche en plume, plume des oiseaux. Bonjour, j'aimerais s'il vous plaît avoir une chambre. Avec une autruche? Oui. Oui. Oui, pour deux ou trois nuits, je suis pas sûre encore. Avec votre autruche? Oui. Vous recevez pas les animaux de compagnie? C'est-à-dire que les animaux de compagnie, on nous prévient à l'avance. Mais enfin, elle est très très bien dressée, il n'y aura aucun problème, hein, rassurez-vous. On va vous attribuer une chambre, c'est vous-même qui allez séjourner ici? Absolument, oui. Avec Aglaé, oui. Avec? Aglaé. Aglaé, oui. D'accord. Vous pourrez nous avoir un grand seau de maïs pour tout à l'heure? Des maïs qu'on a en boîte. Péricochin et son autruche. Alors les autruches n'ont pas le droit, je crois, au service VIP que proposent certains palaces pour les animaux domestiques. Mais on va savoir plus puisqu'on va accueillir tout de suite la directrice des relations publiques d'un grand hôtel. Voici madame Vanina Sommier. Sommier. Écorchez votre nom, j'ai dit sommier. Rien de grave. Ce qui aurait été normal dans un hôtel, mais c'est sommaire. 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 Vanina Sommaire, vous travaillez dans un hôtel où il y a un service VIP pour chiens et chats. Tout à fait. Nous avons lancé, en fait, jeudi dernier, donc le 4 septembre, un nouveau forfait dans notre hôtel, au même titre que nous avions un forfait golf, un forfait spa. Ça et... marche? Bah écoutez, on a eu nos premiers clients ce week-end, on est très contents. Alors ils ont amené quoi, vos clients? Pas une autruche? Non, pas d'autruche, parce que c'est un petit peu inopportun, j'oserais dire, mais plutôt des chiens. Alors par exemple, ça, ce sont les tapis ou les bannettes que... Alors ça, c'est une démonstration en fait des produits d'accueil qu'on peut mettre en chambre, à savoir qu'on peut lui mettre soit un panier, soit un plaid, et puis on lui sert... Mais un chien, il aime bien sa bannette, une bannette qu'il connaît pas, il va y aller? Oui. On peut amener Suzy, la chienne d'Isabelle, notre prompteuse. Voilà, Suzy. On va voir si elle aime, hein. On va voir si Suzy aime les palaces. Et Méline, que vous pouvez voir dans Voici.
Elle aime ça, manifestement, la carpette. Manifestement, oui. C'est assez élégant que les tapis soient assortis aux chiens. N'est-ce pas, hein. Je crois qu'il est plus intéressé par le hamburger. Ah, mais c'est fait pour également, puisqu'on propose une carte de room service. Le hamburger, c'est vraiment un hamburger pour chien. Voilà, c'est un des quatre plats qu'on propose en room service. C'est un McDog. Non. C'est un dog hamburger. Un dog hamburger, vous appelez, oui, ça. Ça coûte combien, j'ai dit tout à l'heure? 365 euros. 365 euros, oh, ça veut dire qu'il y a des... Pour le couple, pour le plus couple, le chien. Voilà, c'est pas le seulement couple le pour chien, une nuit, quoi. Deux petits déjeuners. Ah, et... on peut dormir nous aussi bien dans sûr, la chambre. J'espère oui, bien. Oui, vous avez une niche aussi, on vous met une petite niche pour vous, c'est seulement. Vous dites que si ce service, cette option coûte cher, c'est parce qu'il faut... Évidemment, très bien nettoyer la chambre après le départ, oui, du client. Oui, il y a un shampouinage intégral de la moquette, puisque le client suivant peut s'avérer être quelqu'un d'allergique. Évidemment. Et on doit parer à ce type de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre spécialisée pour les chiens? Non. Ah bah non, si, en fait, oui, on a donné un certain quota de chambres qui sont allouées à ce type de réceptif. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez du petit personnel pour un petit peu donner des coups de pied au cul aux chiens, ou c'est le maître qui le fait quand même? L'idée, ce n'est pas de nous le confier. On n'est pas dans les extrêmes. Il y a un chasseur quand même à l'entrée de l'hôtel. Non mais il y a un menu hameau de la reine, volaille pochée avec des légumes, carottes, courgettes, oignons, son de blé, yaourt maigre. Non mais de qui on se moque, sérieusement? De personne, non, parce que c'est plein. Sérieusement, de qui on se moque être... Ça me fait penser à Coluche, vous savez, il disait, comme on n'a pas pu avoir de chien, on a eu des enfants, quoi. Vraiment, c'est tragique, quoi. Est-ce que c'est pas un petit peu vrai pour certaines personnes? Mais c'est tragique, tout ça, vous rendez pas compte? Pierre, vous ne pourrez pas dire que c'est tragique, parce que j'ai décidé qu'on allait ouvrir un débat sur ce sujet, et j'ai décidé que, justement, vous, Pierre Bénichou. Moi, je suis pour. Voilà. Vous, Pierre Bénichou, vous, moi, Isabelle Alonso. Je suis pour parce que c'est tragique. Et voilà, vous, Perry Cochard, vous allez devoir être pour le service VIP pour animaux domestiques. Et vous, Annie Lemoine, Stevie et Arnaud, vous devez être contre. Attention, on ouvre le débat. J'ai envie de commencer par, tiens, Perry Cochard, qui doit être pour. Oh. Je vois pas en quoi ça vous choque que je puisse prendre mon bain avec lui. C'est l'amour de ma vie. Et puis, je lui ai acheté un petit collier. Bon, quelques petites pierres précieuses, mais rien, hein, rien de grave. Mais et je ne vous donnerai pas l'adresse parce que je ne veux pas que les autres aient le même. Hein. Et vous puis, avez des clientes comme ça? Et puis aussi, je ne vois pas en quoi ça vous choque que je dorme avec lui. Il est définitivement plus fidèle qu'un mari. Ça, c'est un bon argument. Contre, Arnaud. Non, mais évidemment, moi, je suis contre. Enfin, bientôt, on va mettre les chiens dans des chambres pour les accueillir des chaînes pour les chiens. Alors, il y aura quoi, Dog Academy, enfin, quoi, Dog Story. On va finir par bientôt avoir un service de call girl pour les chiens. Après, ça existe déjà. Cool dog. C'est-à-dire, là, vous l'aimez comment? Avec des poils longs? Un style lévrier afghan? Avec plutôt poils courts? Style bergère allemande? Ou alors un peu SM? Un peu SM avec les poils courts, là, de la truffe humide? Avec des colliers à clous? Non, ça devient un peu n'importe quoi, je vous crois. Promenez les chiens? Alors oui, on se limite effectivement à un service de dog sitting qui est proposé pour les promenades des chiens. Pierre Bénichou, bah, vous devez être pour. Moi, je suis pour, évidemment. Évidemment, parce qu'il y a un psychologue pour chiens. Et mon chien a été psychanalysé plusieurs fois. Et ça marche. Ça n'a pas tellement bien marché. Et là, je pense que dans votre hôtel, vous avez engagé Gérard Miller. Et que je suis sûr que lui, c'est vraiment la dernière chose qu'il n'ait pas faite, c'est d'être psychanalyste pour chien. Et il va être formidable. Alors moi, je suis pour. Et le premier qui touche à mon chien, je lui donnerai une grande gifle. Voilà. Il y a vraiment des petits pour chiens dans votre hôtel? Oui, en fait, on propose un service plus avec une psychologue comportementaliste qui peut venir pendant, en fait, 1h30. Elle va s'entretenir avec le chien et son maître, bien évidemment. Ça, et c'est quelque chose de très sérieux qui est développé par une école vétérinaire. C'est très sérieux, ça veut dire 2 ans de prison à peu près. C'est très sérieux. Stevie. Beaucoup plus sérieux. Moi, que la forcément, télé. Je suis contre. Là, je déclare la guerre aux gens qui font de leurs chiens des fiottes. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ces chiens qui le matin viennent vous lécher la tête avec la dernière nuisette en soie de chez Proudal et qui viennent vous lécher alors qu'ils sentent, qu'ils puent le Gucci Dog? Non, il faut revenir sur Terre et je pense qu'il faut libérer nos chiens du capitalisme. Voilà. Isabelle Alonso. Stevie vient de prononcer le mot capitalisme, c'est très important. C'est pas... L'élégance, le raffinement, le luxe, c'est des spécialités françaises. Eh bien, vous pouvez regarder que la France d'en bas met beaucoup de mauvaise volonté à collaborer à ce marché important pour l'industrie du pays. Je vous signale que malgré le fait qu'on les abreuve jour et nuit d'émissions de télévision sur le mode de vie des riches, la France d'en bas boycotte le luxe.
Heureusement que nos amis les chiens, ils font pas des manifs, ils font pas la gueule, ils consomment. C'est le consommateur idéal. Ça consomme et ça ferme sa gueule et c'est toujours content. Bien sûr, c'est quand même mieux que le Resto du Cœur. Annie Le Moine, vous devez être contre. Mais je suis contre, cher Laurent, je suis contre, bien évidemment, mais je suis corruptible. C'est-à-dire que je peux devenir pour à une condition, c'est que vous prévoyez des niches pour les SDF. Vanina Sommer, merci beaucoup. Merci. Autre sujet. On connaissait les enterrements de vie de garçon. Ces soirées, c'est plus que douteuses où le futur époux se saoule pour oublier l'espace d'un soir qu'il va bientôt s'embarquer pour peut-être 40 ans de vie commune. Eh bien, ces séances de débauche ne sont plus le privilège des hommes. Les femmes aussi, maintenant, fêtent leur enterrement de vie de jeune fille. Et elles ne font pas semblant. Elles boivent, elles fument et, paraît-il, elles se frottent contre des stripteaseurs musclés. C'est de plus en plus à la mode. Bref, plein de bonnes raisons pour divorcer, mesdames, si vous voulez maintenant vous aussi à votre tour, ça n'existe paraît-il que depuis 10 ans, enterrer votre vie de jeune fille. Dan Bolander, qui n'est plus une jeune fille depuis longtemps, a testé pour nous contrôler un enterrement de vie de jeune fille. Regardez cette caméra cachée par Thierry Andréo et après, on enterre tout ça. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé contrôler les enterrements de vie de jeune fille. Y a-t-il une demoiselle ce soir qui s'appelle Sophie? Excusez-moi, je suis envoyé par votre tuteur Marie-Benoît, qui m'a demandé en fait que vous ne buviez pas trop ce soir. Mais vous êtes qui exactement? Un espion? Pas tout à fait. En fait, je suis détective privé. Je suis payé par Benoît pour vous surveiller. Très bien. Un mariage, c'est important. Ouais, mais vous... Non, parce qu'après, il y a des enterrements de... des enterrements de vie de jeune fille qui peuvent déraper. Très bien. Attendez, je vais vous faire souffler, si ça vous dérange pas. C'est un alcotest, parce que Benoît m'a demandé de vous faire souffler dans l'alcotest. Alcotest, c'est ça? Si jamais je dépassais la limite... Faudrait que je vous ramène chez vous. Bien sûr. Non, non. Il va me ramener chez moi. Non. Je vous appelle demain. C'est bon, je peux faire la fête. Non, il faut arrêter l'alcool, je suis désolé. Deux verres de vin. J'ai toujours adoré les interdits. Alors plus vous allez me dire de peut faire ça. Oui, mais c'est bien pour ça que Benoît m'a engagé pour vous surveiller. Oui, pardon. J'ai dit toutes les filles passent par là, c'est pas pour ça qu'elles se marient pas. Vous pouvez me montrer votre plaque? Ah oui, je vous la montre. Je m'appelle Berthier. Quoi? Vous l'avez vu parler avec combien de garçons? Ah non, vous n'aurez rien de moi. Ah si, non, mais dites-moi. C'est ma copine, j'ai pas l'intention de la balancer. Non, elle a parlé à combien de garçons ce soir? Qu'avec des filles. Bonjour, Stéphane Berthier. En fait, je suis détective privé. Oui. En fait, je suis là pour surveiller une future mariée qui enterre sa vie de jeune fille ce soir. Et son mari m'a chargé de la surveiller. D'accord. Donc ce qu'il faudrait, c'est pas trop la coller. Ça va être difficile. Pourquoi? Moi, j'ai juste un boulot à faire. Oui, oui, non, il n'y a pas de problème. Non, parce qu'il ne veut pas que les hommes l'approchent trop, vous voyez. La touchez pas trop, quand même. La touchez pas trop près. Laissez-moi faire mon travail. Le stripteaseur est toujours en train de danser avec elle. Oh là là, il se déshabille. Là, il a enlevé l'eau, et il est à peu près d'elle. Hein. J'ai pris quelques photos avec mon téléphone, c'est pas joli. Hein. Ça, c'est vous avec le stripteaseur. Ça craint un peu. Ah, mais je vous avais dit de pas toucher au stripteaseur. Bon, ben, je vais lui demander de partir, là. Elle peut pas rester avec vous. Hein. Allez, on y va. Elle a pas mangé d'entrée à cause de vous, alors laissez-la manger. Oui, c'est normal. Je suis avec vous. Voilà. Je suis désolé, hein. Il faut que je la ramène chez elle. C'est son mari m'a demandé de... Parce qu'il est 22h30. Non, on n'est pas encore mariés. Hein. Dan Bolander qui a gâché l'enterrement de vie de jeune fille de cette future mariée. C'est votre journal, Pierre, hein, qui titrait il y a peu « La bacchanale de la future mariée ». Parce que c'est une des choses les plus bêtes et les plus démodées qui soient que l'enterrement de la vie de garçon. C'était, ça fait déjà comme dans les vaudevilles, quoi. Mais au moins, eux, ils allaient au bordel. C'est fait les trucs de... Au moins, mais non, mettez-nous en place quelques bordels, tu vas voir comment on va se démerder. Mais non, c'était les trucs 1900 qui sont partis avec la modernité. Et les filles, pour faire moderne, elles veulent faire aussi l'enterrement de la vie. C'est sympa. Mais c'est ridicule. Regarde, elles se tapent 1 euro comme ça, c'est vachement agréable, c'est bien.
bien. C'est, je t'appelle Zorro, c'est fait... agréable, mais je oui, ne peux non, pas vous renseigner ça fait, là-dessus. Ça fait des souvenirs, ça fait des souvenirs, c'est bien. Perry, moi je trouve que le mot enterrement de vie de jeune fille est complètement désuet, mais la petite fête qui va autour, je suis archi pour, il y a aucun problème. Ah non mais oui, c'est un bon prétexte pour faire la fête, je suis d'accord. Vous avez idée combien ça peut coûter un Zorro comme ça? Ah oui. Un cow-boy, hein, peu importe. Alors, oui, j'ai une petite idée. je sais pas, à peu près 30 ou 40 euros, peut-être. Tu rigoles, c'est tout? Tu rigoles, c'est 300. 300, je crois. 300 euros. Ah ouais, c'est plus cher. 300, ah, 300, ça dépend pour faire quoi et ça dépend où et comment. Moi j'en ai rencontré pour 30 euros. Non, mais c'était pas un enterrement de première classe, alors. C'était pas un enterrement du tout. Non mais on parle de vrais cow-boys, de vrais machin, mais les vraies jeunes filles, ouais, vous croyez qu'elles attendent le mariage, elles attendent la veille de leur mariage pour le lancer, jeter leur gourde. Attends, c'est quoi les vraies jeunes filles d'abord? Ça n'existe plus. Les filles, ce sont les vierges. Eh ben oui, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a pas une fille qui se marie, qui arrive la veille de son mariage, ou alors, bon, c'est quand même... Quoi? Il n'y a plus de mariée pucelle. Mais vous venez d'insulter toutes les femmes de ma famille. Non, on va accueillir quelqu'un qui s'y connaît en termes de mariage, puisqu'elle a publié Éloge du mariage. C'est aux éditions Gallimard. Et pour l'accompagner sur ce plateau, on a aussi invité quelqu'un qui lui organise des enterrements de vie de jeune fille. Parfois même, il paraît qu'il se déshabille lui aussi. Voici Martine Segalen, l'auteur de ce livre sur le mariage, et Brian Hirst. Madame Segalen, est-ce que vous confirmez ce qu'on a pu lire dans la presse ces derniers temps? Les enterrements de vie de jeunes filles se multiplient comme il y avait déjà les enterrements de vie de garçons. Absolument, je le confirme, mais tout ce que vous venez de dire est absolument juste. Effectivement, il n'y a plus de jeunes filles qui arrivent vierges au mariage maintenant et elles ont envie de faire une fête exactement comme les garçons. Toutes des salopes ! C'est pas possible ! Ça, c'est votre point de vue. Je ne fais aucun jugement. Moi, j'étudie, j'observe et j'observe effectivement que les garçons avaient le droit, eux, et même le devoir, je pense, de ne pas arriver vierges au mariage. Et souvent, d'ailleurs, ils allaient, quand ils étaient bons pour la conscription, ils étaient bons pour les putes aussi, excusez-moi. Et donc, ça voulait dire qu'ils avaient passé toute une vie comme ça et qu'ils allaient enterrer et dire que quand on se marie, en principe, on déclare fidélité, donc on arrête sa vie de vagabondage sexuel. Et bien maintenant, les jeunes filles y ont droit aussi. On juge que c'est bien ou que c'est pas bien, chacun fait comme il veut, mais ces rites se sont développés maintenant. Elles viennent vous voir, vous, alors, les jeunes filles qui veulent enterrer leur vie? Nous, on l'organise, oui. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que vous organisez? Admettons, Perry vient vous voir, voilà, et veut enterrer... Je suis jeune fille, enfin plus si jeune que ça, mais si quand même. Je viens vous voir, bonjour, voilà, je vais bientôt me marier, je voudrais faire une petite soirée avec des copines. Donc en fait, on va cibler un petit peu ce que vous cherchez à faire comme soirée. On va vous voir à poil, hein, franchement. Ça, c'est la fin, ça. Ah bon, d'accord, alors allons-y. Au début, on essaye de savoir dans quel type d'établissement vous allez vous rencontrer. On va choisir un thème en fonction de, je dirais, de l'âge, par exemple. Donc nous, on va arriver, on va axer le spectacle sur vous, en l'occurrence. On va tourner un petit peu autour de vous pour faire plaisir aux autres aussi. Ensuite, on va faire un striptease proprement dit. Et... proprement dit, c'est le mot, oui. Voilà. Et ça relève aussi beaucoup du bizutage. Voilà. Hein. Oui. Vous savez qu'on parle, il y a une loi qui interdit le bizutage dans les grandes écoles. Moi, je suis professeure à l'université de Nanterre. Je peux vous dire qu'on en meurt de ne pas avoir de rites et de bizutage. Les étudiants s'en vont dès qu'ils ont terminé leur cours. J'espère bien qu'on va remettre à Nanterre une rentrée solennelle en toge. Je voyais tout à l'heure là une de vos figures présentées. Il y avait Giscard d'Estaing avec un drôle de chapeau sur la tête. Voilà ce qu'il nous faudrait pour que les étudiants se sentent un peu à l'intérieur de leur maison. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les garçons font leur enterrement de garçons le même soir en général que les jeunes filles. C'est pas la veille, hein, vous inquiétez pas, donc on peut boire, ça va, c'est tranquille. On aura quand même les yeux devant les trous le jour où on se marie. Et vous y allez. Les garçons... vous me faites dire des bêtises. Vous n'avez pas besoin d'être trop incité. En tout cas, les garçons sont quand même un peu jaloux. Vous parliez de contrôle là, dans votre petit film tout à l'heure. Les maris voudraient quand même voir comment ça se termine et pas trop mal. Alors souvent, les enterrements de vie de jeunes filles ont lieu là, ceux de garçons ensemble, et puis ils terminent la soirée. Tout le monde se réunit et effectivement le futur mari s'aperçoit qu'elle n'est pas partie avec le pompier de service. Combien ça coûte? Ah, il faut compter à peu près dans les 400 euros. Bon, non, mais maintenant, assez parlé.
Non, quand même, franchement, ça se passe comment? En général, non, en fait, les filles sont beaucoup plus hystériques, je dirais, que les garçons. On voit une différence entre les garçons qui sont sur une chaise, qui ne bougent pas, qui regardent, et les filles qui, elles, touchent dans tous les sens. C'est assez marrant de voir le contraste. Les filles sont plus tactiles que les garçons. Beaucoup plus. Ouais. Jamais vous n'avez assisté à un enterrement de vie de jeune fille, Isabelle? Je suis sûr que si. Moi, la fête organisée, la fête qui dépend d'un marché, parce que maintenant, il y a des sociétés qui s'en occupent et tout, moi, ça me dérange. Moi, j'aime bien les fêtes improvisées où il n'y a pas forcément besoin de raison. Alors maintenant, s'il faut se marier pour faire une fête... Je sais pas, je trouve ça sympa de faire la fête un dernier soir, se lâcher, parce qu'après, le mec, il va avoir sa nana, les seins qui tombent et tout ça. Donc, autant que... Mais quelle idée du mariage tu te fais? Ça va pas ou quoi? Non, mais c'est vrai. Non, mais ça a grande expérience. Une soirée, que c'est ça le fait. C'est pour une soirée, oublier son conjoint qu'on aura pour 50 ans et se lâcher comme ça. Et la nana en fait autant, chacun son côté. La durée de vie d'un mariage n'est plus de 50 ans. Mais vous croyez franchement que vous valez 400 euros? C'est peut-être un peu cher aussi, non? Non, en fait, ce qu'il faut voir, en fait, on voit. Comparez vos tarifs, je ne sais pas. Pourquoi toi t'aimes pas ça non plus? Je sais pas, faire la fête tout le temps c'est génial. Pourtant t'es espagnole, les Espagnols ils aiment bien faire la fête. Mais c'est ce que je dis. Tu deviens aigrie ma fille, je sais pas. C'est ce que je suis en train de dire, qu'il n'y a pas besoin de trucs tout organisés pour faire la fête, qu'on peut la faire tous les jours. Comme la Saint-Valentin, comme des trucs comme ça, c'est ça que t'aimes pas. Faut que t'écoutes quand je parle. Non mais moi je trouve ça, ce qui me gêne dans le monde. Allez, on conclut avec... Bon, on peut arrêter de parler, moi je voudrais le voir, le spectacle. Vous allez faire un petit spectacle. Ah, j'ai amené un collègue pour ça. Non, sans rire. C'est vrai? Oui, il est dans le public. Ah, il est où? Il est par là. Oh, il est là. On donne. C'est ce monsieur qui coûte 400 euros alors. Voilà, donc ce qu'il faut voir, c'est pas la partie visible de l'iceberg. Il faut tout voir ce qui se passe avant. Il y a la musculation, il y a le régime, il y a le bronzage, l'épilation, les costumes, il y a tout. Écoutez, on va vous demander d'emmener Péricochet en coulisses et puis vous allez vous débrouiller entre vous. Quant à vous, madame, on va rappeler votre ouvrage Éloge du mariage. C'est chez Gallimard. Combien de mariages par année? 280 000 au contraire. Ça a beaucoup baissé depuis les années où on se mariait beaucoup, qui était en 1950, si vous voulez. Mais 60. Ça a repris ces dernières années. Ça reprend un peu, il ne faut pas exagérer. Il y a eu un baby-boom aussi, mais s'il y a une mauvaise crise économique, je crois que comme les gens veulent faire la fête pour se marier, ils n'ont plus d'argent pour faire la fête, il y aura une chute du mariage à nouveau. Évidemment. On va vous remercier tous les deux, messieurs, et vous aussi, madame. Allez, restez avec lui. Allez. Nos derniers invités pour ce soir. Depuis le 26 août au Théâtre de l'Œuvre, vous pouvez aller voir Hypothèque, une pièce de Daniel Bess avec Roland Giraud, Mikey Johnson, Stéphane Hillel et Tristan Petit-Girard. Dans cette œuvre, il est question d'un appartement nouvellement acheté par un couple et puis aussi de Victor, qui est interprété par Roland Giraud, qui soupçonne son amant de le tromper. Je ne vais pas tout vous expliquer, allez-y, vous comprendrez mieux. Chagrin de vie, aux éditions Michel Lafon, est aussi dans l'actualité de Roland Giraud, puisqu'il sort très prochainement son livre, qui est un roman avec certainement une part autobiographique. On va l'interroger là-dessus. Pour tester ensemble Chagrin de vie, ce livre, et aussi la pièce Hypothèque, accueillons tout de suite Roland Giraud et celle qui partage sa vie à la scène comme à la ville, Mikey Johnson. Monsieur Giraud, comme vous étiez déjà venu nous voir, on s'est dit, cette fois, il revient, mais il nous amène son épouse. Oui, hein? Je ne voudrais pas abuser non plus, parce que j'ai plein de comédiens qui vont me dire, tu monopolises. Non, mais enfin, quand même, c'est une bonne raison, vous êtes ensemble sur scène au Théâtre de l'Œuvre. Oui, ça nous arrive rarement. Ça vous est arrivé déjà? 4 fois en 30 ans. 4 fois en 30 ans. On ne cherche pas à le faire. 30 ans de mariage. Oui, on était très, très, très jeunes quand on s'est mariés. 30 ans de mariage? Non, 37. 37 ans de mariage. 37. Depuis hier, Depuis... Ah, vous avez fêté ça? Ah ben non, hier, c'était dimanche. J'ai eu des roses rouges. Vous étiez au théâtre sur scène hier après-midi? Oui, 2 fois le samedi, 1 fois le dimanche après-midi. Et il faut respecter tous les publics. Et le dimanche après-midi, c'est amusant parce qu'il y a toujours des personnes un peu âgées. Alors on aime bien parce que de temps en temps, on... Qu'est-ce qu'il a dit? Alors ça fait... On aime bien. C'est vous aimez jouer avec Roland sur scène? Oui. Il est sévère avec moi. C'est-à-dire? Mais il est dur.
qui aime bien, châtie bien. Il est dur, il est sévère. Plus dur qu'il ne serait avec une autre comédienne. Je crois, oui. C'est vrai, Roland? Oui. Je suis beaucoup plus dur avec moi-même qu'avec elle. Mais je suis effectivement assez sévère parce que autant... C'était drôle. Mais en dehors de ça, j'adore déconner. Je suis très, très, très convivial dans la vie. Hypothèque, c'est une pièce de Daniel Bess qui se joue déjà depuis quelques jours maintenant à Paris au Théâtre de l'Œuvre. Alors, Perry, c'est comment, Hypothèque? Franchement. Alors. D'accord. Attention. Ça y est. C'est un théâtre ravissant. Et. Quoi dire? J'aurais pas dû commencer par elle. Non, mais si vous voulez, je vais en parler. Non. Alors donc, j'ai vraiment beaucoup aimé les 10 premières minutes. Et après, j'ai trouvé que c'était un peu en boucle. J'ai trouvé que... C'est-à-dire, j'avais envie que ça... Et puis, c'est pas... Et... Vous attendiez, c'est pas un boulevard comme d'habitude. Pas du tout, c'est une pièce qui traite de problèmes actuels d'une manière comique. Voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressé de le faire et que ça change un peu du vaudeville. Ouais, vous sortez un peu des sentiers dans lesquels vous étiez. Je vous adore. Absolument. En dehors de ça. Hein, mais... Oui, mais ça, les acteurs ça joue pas. Il faut une bonne pièce d'abord. Si on a une bonne pièce avec des acteurs moyens, ça marche. Si on a des acteurs extraordinaires avec une pièce qui n'intéresse personne, ça ne marche pas. Donc l'intérêt c'est que la pièce plaise. Mais tous les goûts sont dans la nature. Je vais te raconter un peu l'histoire quand même. Isabelle Alonso, vous l'avez vu, alors racontez un peu. C'est juste, il y a un couple qui est en train d'acheter l'appartement de ses rêves et qui invite pour arroser ça un de ses amis. Ils attendent la personne qui partage la vie de cet ami, qui est un homme aussi. Donc un couple homosexuel et un couple hétéro. Et puis il va y avoir deux trucs qui vont bloquer tous les rouages. C'est qu'il y a un problème avec le notaire, donc... Le projet d'acquisition immobilière est compromis. Et puis, en fait, il est en train de se faire larguer, le copain. Donc tous les deux ont été en plein optimisme au début de la pièce. Et puis, tout ça va se... Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est une pièce sur l'amitié, sur la trahison, sur la sincérité, sur ce qu'ils appellent l'instinct de survie, c'est-à-dire pourquoi on se compromet, pourquoi on ment, pour simplement continuer à vivre. Et moi, j'ai trouvé ça très fin, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis c'est vrai qu'alors vous jouez à merveille, permettez-moi de vous le dire. Enfin, c'était formidable, moi j'ai adoré cette pièce. Bon, il n'y a rien à ajouter. La critique d'Isabelle Alonso vous convient. Ah oui, alors Voilà, il en faut pour tous les goûts. Absolument. Arnaud, je dois y être allé aussi. Oui, moi aussi. J'ai trouvé une pièce un petit peu irrégulière. Mais à mon avis aussi, c'est parce qu'ils viennent de démarrer que vous allez faire des ajustements aussi, non? Sûrement. Je crois pas, parce qu'on est... Pourtant, j'ai une paire. Bien essayé. Je voudrais signaler que c'est magnifiquement quand même mis en scène par Patrice Kerbrat. Stevie, vous connaissiez Roland Giraud, Jackie Johnson? Lui, oui. Elle, non. Elle est plutôt du théâtre, alors, évidemment. On t'a jamais dit qu'on disait madame, non, et pas elle, non? Il a raison, monsieur Benoît. Ça n'a pas beaucoup d'éducation, je veux dire. Non, mais oui, je vous connais. Moi, je vous apprécie beaucoup. Est-ce que je peux vous dire d'autre que mais rien, le pauvre, il n'a pas le choix. J'ai lu votre livre que j'ai plutôt... Alors, venons-en au livre. Venons-en au livre, parce que alors, ça, on a quelque chose de plus que vous, Mme Johnson. C'est que vous, il paraît que vous n'avez pas lu le livre de votre époux. Voilà. Et comment le savez-vous? Parce que je le sais. Ça, c'est formidable. C'est vrai, je ne l'ai pas lu. Alors pourquoi vous ne l'avez pas donné à votre épouse? Et parce qu'elle ne voulait pas, elle voulait le lire quand ça sortirait, elle veut que je lui fasse la surprise. Et nous avons comme ça des choses dont on ne peut pas parler, qui sont tellement que c'est discret et tellement que c'est privé. Quand elle va le lire. Mais ce que je risque, ça ne trouve ça pas bon du tout. Alors, c'est que 37 ans de mariage. Pierre, vous l'avez lu? Moi, j'ai lu, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que si c'est une autobiographie, c'est tellement courageux de raconter la passion d'un homme mûrissant, mais qui est une vedette de théâtre, pour une jeune femme beaucoup plus jeune que lui. Et son histoire avec sa femme, qui justement dure quand même, et dans une sorte d'aveu et de non-dit en même temps, on dit pas, c'est extraordinaire. Si c'est un roman, c'est risqué, et si c'est une autobiographie, c'est formidablement courageux. Alors, le livre lui-même, moi je ne suis pas critique littéraire, j'ai trouvé qu'il y avait des moments formidables, il y a deux trouvailles extraordinaires, il y a une vraie trouvaille de romancier, c'est que la rupture avec cette jeune femme qui lui brûle le cœur et les reins, c'est le 10 septembre. Et il dit, mon 11 septembre à moi, ça a été avec un jour d'avance. Ça, je trouve. Ça veut dire que c'est quand même très autobiographique. Non, pas du tout. Alors, c'est autobiographique dans la mesure où c'est la vie d'un acteur, bien évidemment, parce que souvent les premiers romans sont inspirés de. Regarde la tête de sa femme. C'est ce que j'allais dire. C'est un premier. C'est mon métier. Je connais bien mon métier. Je l'ai utilisé. Je m'en suis inspiré. Ça a dynamisé un peu mon histoire. Mais il est évident que l'histoire, ce sera un peu gros. Isabelle Alonso. Ce qui m'a plu, c'est la sincérité. Je crois que c'est peut-être
c'est peut-être de l'autobiographie ou de la fiction, je m'en fous un peu. Fiction, le personnage, quand il s'autodécrit, ne se fait pas particulièrement de cadeaux, je trouve. Je m'en fais pas dans la vie non plus. Alors ça, c'est et il y a une chose qui m'a frappée, c'est votre... Alors, je ne sais pas si c'est votre personnage ou vous, cet amour immodéré, ce fétichisme pour les pieds des femmes. Oui, je vous assure ça, que quand on est une femme... C'est vrai. Et quand on est une femme et qu'on lit ça, comment que j'ai pas mis des mocassins bien fermés et tout, que vous veniez pas m'inspecter, on sait jamais. Il aime les pieds des femmes. Ah, mais vos pieds à vous. Je les aime bien aussi. Ils les aiment bien. Je suis très fétichiste, c'est vrai. Il vous a très vite dit, tu as de beaux pieds, tu sais. Mais il a très vite demandé à voir mes pieds. Est-ce que vous devinez le pied d'une femme, même je quand elle a des chaussures oui, vous savez, est-ce qu'il vous est arrivé d'être très déçu? Ah, oui, l'odeur peut-être. Oui. Mais alors, Romain, on est un peu déçu de temps. Ça n'a pas d'importance. Il faut que je le trouve beau. Je veux pas déjà. C'est quoi un pied romain? Parce que moi, je sais pas ce que c'est. Un pied romain, c'est quand le gros orteil est un peu plus grand que les autres et que ça va donc en dégradé. Et le pied grec, c'est quand le deuxième orteil est plus long, un peu plus long. Allez, vous pouvez montrer vos pieds, plus vous avez de belles chaussures aujourd'hui. Il n'en est pas question. Mes pieds, ça se mérite. J'ai envie de demander à Mikey Janson si maintenant, d'abord, elle a envie de le lire, ce livre. Bah oui, alors. Oui. Et si elle se dit, alors, est-ce que c'est vraiment autobiographique? Qu'est-ce qu'il invente? Je le verrai. Ça vous fait peur ou pas? Je verrai. J'ai un petit défi, un petit gag téléphonique. C'est une nouvelle rubrique dans l'émission. Vous allez appeler Stéphane Hillel. J'ai fait composer le numéro pour vous. Et vous allez lui dire, j'ai une sorte de petit canular, je ne m'entends plus du tout avec Maïké. On ne peut plus jouer ensemble sur scène. D'accord. C'est d'accord, ça? D'accord. Alors, on fait le numéro de votre partenaire, Stéphane Hillel, comédien de la pièce Hypothèque. Directeur de théâtre aussi. Et directeur de théâtre. Bonjour, Stéphane Hillel, je ne suis pas disponible pour le moment, laissez-moi un message. Laissez un message. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, Stéphane, je suis désolé, excuse-moi, je ne peux pas parler fort. C'est Roland, il y a eu un gros problème avec Mike ce matin. Excuse-moi, je ne peux pas... Et vraiment, je ne peux pas jouer ce soir. Ah, ce soir, non, on s'en fout, mais là, je suis obligé d'aller prendre l'air en province, tu t'arrangeras avec Gérard Marot. Notre cher directeur, je peux plus. Et je jouerai pas demain. Alors démerde-toi. Je sais pas, mais je pourrais pas être là. Je suis désolé. Tu peux me rappeler si tu veux. Merci. Vous êtes déjà engueulé? Nous deux? En sortant de scène? Oui. Oui. Mais c'est ma faute souvent. Je suis très, très, très exigeant. Pour quelle raison vous vous souvenez? Parce que j'ai bafouillé. Parce qu'elle n'est pas française d'origine. Elle a encore des petits trucs de temps en temps qui clochent. Non, parce que vous, tous les soirs, vous êtes égal à vous-même. Je ne peux pas faire autrement. Je vous assure que c'est vrai. Je le dis encore ce matin, Pierre l'a peut-être entendu. Je suis toujours sidéré, moi. I am not fishing for compliments. OK. I swear. Mais je suis tellement sidéré de voir encore des gens qui payent pour me voir tout le temps. Je me dis, je n'ai pas le droit de ne pas mouiller ma chemise à fond. Quoi, et puis, voilà. Mais alors c'est donc, pas la question qu'elle si, te pose. C'est-à-dire que je suis toujours d'égale humeur et je mets mon émission. Toujours d'égale humeur. Elle me dispute. Elle me dispute. Tu n'es pas du tout d'égale humeur tout le temps. Quand je joue, si. Bah, sur scène, évidemment, mais tout le monde. Il est toujours. Mais c'est avant. Il est toujours d'égale humeur. Avant. Il est toujours de mauvaise humeur. Ouais. Ça va, ensemble, tous les deux, toujours. Ça biche. Bon, très bien. Oh oui, elle a un accent. On va vous garder encore un instant le temps du dernier jeu. T'as qu'à finir. Le principe, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un nouveau jeu qu'on a mis en place. L'émission tous les jours. Ah, vous regardez, j'adore votre émission. Je vous connais tous à fond la caisse. Le premier, c'est... Pardon, Jean-Marie Le Pen qui a dit « Je suis peut-être un boulet, mais... » Il faut comprendre. Qui doit répondre? Ah, vous d'abord. Alors, mais je me soigne. Non, pas mais je me soigne. Mais pas un Stevie. Mais ma fille est canon. Mais un boulet de canon. Mais pas un canon. C'est peut-être un boulet, mais un boulet de canon. Mais un boulet de canon. Bravo, c'est la bonne réponse. Bravo, Annie Lemoine. Mais Boulet, c'est votre nom de famille, Stevie. Non, c'est pas un boulet, moi. Mais vous, c'est Boulet. Loana, vous connaissez. Elle a déclaré dans la presse ce week-end, je ne voulais pas d'une amourette de vacances, alors... J'ai payé. Je suis sortie de la piscine. Non. J'ai payé. Non. Alors, je suis pas partie en vacances. Non. Alors, j'ai mis le holà. Alors, j'ai mis le holà. Bravo, Isabelle Allongeau. C'est exactement ça. Et tu savais pas ça, Pierrot? Moi, je croyais qu'elle avait dit, alors j'ai attendu 2 heures. Elle a mis le holà après avoir fait les photos pour toute la presse people, quand même. Hein. Évidemment, il y a un petit délai avant de mettre le holà. Autre photo, celle de Jean-Pierre Chevènement et autre déclaration. Il a dit, je ne vous dis pas que je serai candidat, mais... Mais je ne dis pas que je ne serai pas. Bravo, Annie Lemoine, exactement. Mais je ne dis pas que je ne serai pas.
Ça s'appelle la langue de bois, ça. C'est important comme déclaration, hein, ça. Oui, c'est alors là. C'est un discours politique. C'est un vrai discours politique, ça. Silvio Berlusconi, qui a déclaré pour être magistrat, tu dois être. Corrompu, anthropologiquement différent de la race humaine. Du reste de la race humaine. Non, tu dois être raisonnable sur les prix. Non, mais c'est ça qu'il a dit, j'en suis persuadé. C'est pas cette phrase-là que j'ai retenue, il en a dit une autre. Mais c'est pas loin de ça, effectivement. Incorruptible. Non. Chanteur. Non. Escroc. Non, c'est une vacherie. La mafia. C'est une vacherie. Tu dois être un fou qui mérite d'être dans un asile. Oui, c'est ça. Tu dois être psychologiquement dérangé. Bravo, Pierre Benichou. La dernière déclaration est plus amusante. C'est Alain Juppé qui l'a faite ce week-end parce que les jeunes de l'UMP qui étaient réunis devant la tribune sur laquelle il officiait voulaient absolument le faire danser. Il a dit, vous n'êtes pas arrivé à me faire danser, mais déjà, vous êtes parvenu à me faire chanter. Ah, je sais. Mais me faire chanter quoi? Parce qu'il a chanté, Alain Juppé. Ah, je croyais que tu disais, la prochaine fois, je fais mon Chip and Dale. Non. Jeanneton prend sa faucille. Bravo, Jeanneton prend sa faucille, exactement. On va voir nos doigts. La lirette. Hypothèque, c'est une pièce qui se joue actuellement au Théâtre de l'Œuvre. C'est avec Roland Giraud. J'ai du mal ce prénom. Ah, comme le Mike anglais. Oui, c'est écrit M-A-A. N-A-A-I-K-E. Mais double A, ça c'est pas français, c'est pas double A, c'est deux A. Mike. Mais est-ce qu'il dit qu'il n'y a que Mike qui Mike ou pas? Ouais, ça je l'ai entendu aussi. Janssen avec un J, comme dans Joie. Mike Janssen. Et peut-être moi, si je viens demain, parce qu'avec ce qui s'est passé... Ouais, Roland Giraud, Stéphane Hillel, Tristan Petit-Girard... Très correct, monsieur. Au théâtre de l'Offre, dans Hypothèque. Et le livre s'appelle Chagrin de ville, sort le 11 septembre. C'est chez Michel Lafon et c'est signé aussi Roland Giraud. Merci à tous les deux. Merci à vous. Bye bye, à demain.